J'ai toujours trouvé curieux euh, les gens qui se réclamaient de, de la démocratie en général, mais qui euh, ne pensaient pas qu'à certains moments importants, le peuple pouvait exercer directement sa, sou, sa souveraineté. Euh, la démocratie, c'est quand même la possibilité pour le peuple euh, de décider à un moment ou à un autre. Or, euh, telle que nous la vivons aujourd'hui, elle s'exerce euh, presque constamment de manière indirecte à travers des représentants. Euh, L'article 3 de la Constitution de, de la Ve République, dit euh, la souveraineté appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il me semble qu'à certains moments, je, il est légitime et nécessaire que le peuple puisse euh, finalement trancher des questions, euh, des questions essentielles. Oui, surtout qu'on a un peu l'impression que là, on rejoue des choses qui sont passées en 2005 avec le Brexit, c'est-à-dire que... Quand le peuple vote mal, euh, bah, toute une partie euh, quand même de l'élite a du mal avec ça. Oui, il y a très clairement pour euh, une majorité de, de ceux qui appartiennent à l'élite l'idée que les représentants, comme le disait Madison à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, constituent un filtre euh, qui va permettre de, euh, d'un certain point de vue, de contrôler euh, l'esprit public, une forme de barrière, de garde-fou. En fait, on, re, on revient à cette vieille idée que la raison et l'apanage des représentants et que les représentants peuvent connaître mieux que le peuple ce qu'est l'intérêt du peuple lui-même or il me semble qu'aujourd'hui depuis euh Plusieurs années, euh, cette situation est de plus en plus mal vécue euh, par des fractions de plus en plus nombreuses de la population, qui ne considèrent plus que euh, les représentants ont le monopole de la raison. En fait, nous vivons finalement euh, dans un système qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par des gens qui haïssaient la démocratie, qui détestaient la démocratie. Euh, Sieyès, hein, et, et euh, Dominique Rousseau le confirmera, était quelqu'un qui disait la France ne pourra pas être une démocratie dans une république, et la France est une république, le peuple ne peut vouloir et ne peut agir que via ses représentants. C'est cette situation-là aujourd'hui qui est contestée. On a quand même l'expression-là d'un peuple, de, 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 de catégories populaires qui se sentent très largement abandonnés et qui ont voté contre l'establishment, contre la manière dont l'Europe est aujourd'hui gouvernée. Et il est un fait qu'aujourd'hui, l'Europe, mais aussi les gouvernements européens nationaux, gouvernent essentiellement euh, en faveur euh, des catégories les plus, euh, les plus dotées, les plus riches de la population et ont très largement abandonner l'idée de représenter les catégories populaires. Donc on peut y voir, au-delà simplement de cette caricature qui consiste à dire qu'ils ont voté contre les immigrés, un message plus général qui est un message politique extrêmement fort qui consiste à dire la démocratie que vous euh, gouvernez n'est pas vraiment une démocratie, vous ne gouvernez pas dans l'intérêt général, vous nous avez oubliés, nous ne savons pas d'ailleurs comment les décisions sont prises, il y a quand même cet, cet élément de demande de plus de, de clarté, de, de démocratie, cette envie de pouvoir décider par soi-même et non pas au travers. Je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle qu'a joué l'idée selon laquelle il y a une bureaucratie relativement opaque qui prend des décisions sans qu'on ait prise sur elle. Et c'est vrai que ce, ce, ce référendum sur le Brexit intervient après les différents épisodes grecs qui ont montré que les gouvernements nationaux n'avaient plus véritablement prise sur leur propre destin et hein, sur le, le destin de leur pays et on peut euh, à la fois accepter ce que dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire que le, 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 la thématique de l'immigration de a joué un rôle certain dans la campagne, très clairement. Euh, il y a eu des arguments extrêmement démagogiques, mais il faut aussi reconnaître la valeur politique, le sens politique, la signification politique euh, euh, de, 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 de catégories populaires, de, de citoyens qui ont voulu exprimer un rejet euh, vraiment euh, euh, catégorique de la manière dont elles étaient gouvernées actuellement. Il existe différentes Modalités de référendum, vous le dites très bien, je pense qu'il faut aujourd'hui encourager l'initiative populaire et c'est une tendance assez générale, me semble-t-il, dans les pays européens, que de permettre de temps en temps à des citoyens d'inscrire une question sur l'agenda politique et de ne pas réserver la définition de cet agenda, de ne pas le laisser simplement aux élus, aux représentants. Alors, pour, pour discuter l'argument de, de Dominique Rousseau, c'est je pense que cette situation dans laquelle finalement le peuple est jugé systématiquement immature, incapable, il ne s'agit pas non plus de considérer que le peuple a toujours raison. En démocratie, en principe, si. En démocratie, en principe, il a toujours raison. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un système où la souveraineté du peuple ne s'exerce jamais de manière directe. J'y reviens. Dans lequel les représentants et en particulier les partis politiques, et des partis politiques qui sont formidablement aidés par un système institutionnel, par un mode de scrutin pour... Conserver le pouvoir, pour maintenir le statu quo, euh, ces partis politiques finalement ont capté euh, euh, le, le pouvoir dans nos sociétés. Cette situation est devenue aujourd'hui vraiment intolérable pour deux raisons. La première, c'est que les gouvernements nationaux euh, ne, ne gouvernent plus de manière efficace, ou en tout cas jugée efficace par les citoyens. Ils sont considérés comme de plus en plus euh, euh, biaisés par les intérêts économiques. Donc il y a vraiment le sentiment d'un déficit d'efficacité de ces gouvernements face à un certain nombre de crises et en même temps la société a profondément évolué euh, les citoyens sont de mieux en mieux éduqués de mieux en mieux informés en général il y a toujours une fraction de la population euh, qui reste à l'écart du, du jeu politique mais euh, majoritairement les citoyens sont de plus en plus adultes et il devient de plus en plus inconcevable de ne pas envisager des modalités d'association des citoyens au processus de décision. On ne peut plus considérer qu'aujourd'hui, le processus de décision est le monopole. Exclusif euh, des élus en toutes circonstances et que les citoyens sont là pour euh, tous les cinq ans euh, euh, se donner des maîtres, hein, se donner des, des représentants qui euh, gouverneront euh, 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 en leur nom mais sans eux. Euh, je pense que la situation actuelle, c'est à mon avis, euh, nous, les démocraties aujourd'hui sont à un tournant dans lequel euh, une partie croissante de la population exige des représentants euh, qu'ils ouvrent euh, de plus en plus le processus de décision euh, aux citoyens. Cette trahison euh, euh, de la volonté des, des citoyens, on la constate quotidiennement euh, dans le mécanisme électoral, c'est-à-dire que effectivement, les représentants interprètent comme ils le veulent le mandat euh, que leur a donné les citoyens et on, et on a vu, et, euh, encore de manière très récente, des, des gouvernements nouvellement élus euh, prendre des décisions euh, très différentes. Euh, de... Donc voilà, c'est-à-dire que cette critique du référendum euh, vaut aussi, pour oui. le système représentatif, euh, j'allais même dire à, à fortiori. Là où je, où je, où je vous rejoins, c'est de dire qu'effectivement, on peut envisager beaucoup plus. Alors moi, le terme que j'utilise, c'est le terme de démocratie délibérative, c'est-à-dire euh, de euh, faire vivre cette discussion préalable au processus de décision et il me semble que ça, c'est une des évolutions contemporaines les plus intéressantes. Euh, il y a eu, par exemple, à la fin 2015, euh, à propos de la loi sur le numérique, eu un processus de consultation une plateforme euh, qui a permis à des dizaines de milliers de citoyens euh, de euh, proposer de contribuer euh, d'amender alors certes euh, à la fin euh, le parlement euh, n'a pas repris évidemment euh, l'intégralité de ce qui s'était dit en ligne a même quelquefois contredit euh, ce que les, les internautes et ce que les citoyens avaient dit donc on a on a évidemment des problèmes d'ajustement mais il me semble que cette réflexion autour d'un gouvernement ouvert ou d'une construction qui serait beaucoup plus plus participatif de la loi est une des évolutions euh, qu'il faut considérer avec beaucoup d'intérêt. Et moi, l'exemple irlandais me semble un des, un des exemples les plus intéressants. Euh, L'Irlande, il y a quelques années, a mis en place une assemblée euh, d'une centaine de personnes, euh, une assemblée euh, citoyenne, mais euh, dans laquelle il y avait deux tiers de citoyens tirés au sort et un tiers d'élus, qui a élaboré un certain nombre de propositions de réforme constitutionnelle qui, aujourd'hui, pour certaines, sont soumises au référendum. Donc, qu'on a l'articulation la, entre la démocratie délibérative dont vous parlez et le référendum. Parce qu'à la fin, me semble-t-il, il faut que le peuple tranche. Euh, C'est l'une des limites majeures de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative. C'est que ceux qui ne participent pas au processus euh, sont légitimes à considérer qu'ils doivent pouvoir à un moment ou à un autre intervenir. Et s'ils ne participent pas, euh, alors on peut dire tant pis pour eux, et la décision se prend sans eux. Euh, mais je pense que pour que la décision vra soit vraiment légitime, il faut euh, un processus de, euh, de, 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 de concrétisation ou d'enterrinement de, euh, de, par, le, par, par le vote. La bonne nouvelle, c'est ce retour de l'imagination démocratique. C'est le fait qu'on va, y compris dans le passé, rechercher des solutions nouvelles. On a aujourd'hui des propositions politiques euh, des propositions techniques vraiment intéressantes. Le, tout le mouvement des civic tech apporte euh, des, des, des solutions techniques à des vieux problèmes. Alors évidemment qu'ils ne résolvent pas tout, hein, ah, mais, mais aujourd'hui, les, les civic tech, ce sont des applications numériques qui permettent, euh, si on le souhaite et si on, on veut en faire quelque chose, euh, des formes de délibération euh, à distance entre les citoyens, euh, des formes de prise de décision euh, beaucoup plus collectives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Euh, Techniquement, on peut. Alors évidemment, il faut que le contexte politique suive. Et Amandine Crespi a tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, le principal verrou, ce sont les représentants qui ne souhaitent en aucun cas changer un système dont ils sont issus et qui leur permet de garder le pouvoir. Et il y a des expériences tout à fait intéressantes, mais qui n'ont pas d'influence sur le processus de décision et qui finissent par produire beaucoup plus de frustration que d'espérance de transformation. Mais d'un certain point de vue, je me demande si aujourd'hui euh, euh, nous n'avons pas euh, intérêt à prendre des risques, à expérimenter. ce qui est très frappant, c'est qu'avec toutes ces innovations démocratiques, on est beaucoup plus exigeant euh, qu'avec euh, les mécanismes classiques de la représentation. on attend de ces innovations démocratiques qu'elles soient parfaitement, qu produisent de la représentativité, qu'elles soient parfaitement légitimes, euh, qu'elles n'aient aucun défaut, alors même que les défauts de la démocratie représentative sont absolument criants. Or, de mon point de vue, il est absolument nécessaire dans les années qui viennent euh, d'inventer euh, de nouvelles formes de démocratie, sinon, euh, celle-ci, euh, c'est le chemin qu'elles sont en train de prendre, se transforme tout doucement en oligarchie euh, sans qu'on euh, n'y prenne véritablement garde, c'est-à-dire dans euh, des, 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 des scènes et des processus de décision euh, desquels les citoyens sont absolument absents euh, et dans lesquels finalement des groupes d'intérêt. Euh, des groupes particuliers de la population, parce qu'elles ont un accès privilégié aux représentants, ont la possibilité d'influencer le pouvoir. Euh, euh essayer d'expérimenter de nouvelles formes de démocratie participative c'est essayer de d'élargir les scènes de, de, de la décision de les rendre plus transparentes pour éviter que nos démocraties ne se transforment définitivement en oligarchie ou en technocratie hein, ce qui est à peu près aujourd'hui la même chose et c'est ce qui est reproché essentiellement à ce qui se joue au niveau de l'Union européenne. Il me semble qu'il faut regarder du côté d'une partie de la jeunesse euh, qui aujourd'hui euh, agit selon des, euh, des principes qui ne sont plus les principes classiques sur lesquels sont fondées nos institutions représentatives. Par exemple, on a euh, des, 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 des acteurs, Politique Nuit Debout en était un exemple, qui ne euh, veulent plus de la représentation, qui ne veulent plus de certaines formes d'autorité, euh, qui croient en la possibilité d'une forme d'inclusion démocratique et euh, d'horizontalité du processus de décision et c'est cette culture politique là qui vient heurter euh, euh, notre vieille culture politique nourrie par 200 ans de représentation, de délégation, de paternalisme, euh, de, euh, de, de, de processus de décision verticale qui me semble aujourd'hui le frottement le, le plus intéressant.